quand je me soucie de la question animale et de ce que souffrent et peuvent vivre les animaux, ce n'est pas parce que je serais un ami des animaux. C'est par solidarité avec ce qu'ils vivent, mais de la même façon que si par exemple je me préoccupe du sort de victimes, je ne sais pas moi, d'un quelconque tsunami, ce n'est pas parce que je me sens une sympathie particulière pour les victimes. C'est une solidarité parce que je sais que ce sont des personnes qui souffrent, qui ont été victimes d'un sort contraire et qui ont besoin d'aide. Mais il n'y a pas un sentiment particulier qui est à l'origine de ça, de cet élan de solidarité. C'est une volonté à la fois de justice, à la fois d'égalité, c'est une volonté de type moral qui peut évidemment s'attacher dans certains cas à des individus particuliers, mais qui ne peut pas être un sentiment général. En tout cas, qui chez moi n'est pas un sentiment général d'amour des animaux, par exemple. Pas plus que d'amour de n'importe quelle catégorie humaine, des enfants, des femmes, des immigrés ou que sais-je, quoi. De la même façon. Ça veut dire quoi pour toi, ami des animaux? Il y a par exemple des amis des animaux, il y a par exemple des personnes qui sont des amis des chats ou des amis des chiens ou des chevaux ou des dauphins, etc. C'est-à-dire qui aiment particulièrement ces espèces-là. Souvent, ça ne joue pas aux individus, mais vraiment à l'espèce, quoi. Et c'est pas quelque chose que je partage, en fait. Je ne suis pas particulièrement attiré ni par les uns ni par les autres, quoi. Ça m'arrive de nouer des relations fortes avec des individus, mais ça, c'est justement indépendamment de leur espèce, quoi. Ce sont les situations, ce sont les individus qui sont déterminants et non pas les espèces à ce niveau-là. Dans ce sens-là, je dirais que je ne suis pas un ami des animaux ou que je n'éprouve pas un amour des animaux particulier. Par exemple, quoi comme type de relation, Avec des animaux? par exemple. Oh, à l'heure actuelle, j'ai une poule que j'aime bien. Il me plaît de voir heureuse, sortie d'un élevage en batterie, et de voir vivre sa vie heureuse, de voir qu'elle m'apprécie. Voilà, c'est pas non plus une relation très intime, à vrai dire. Donc, ben, du coup, ça débouche pas sur une envie défendre en particulier les poules Non. Non. de leur Je pense enfance. que c'est extrêmement important de défendre les poules parce qu'elles elles sont vraiment soumises à des conditions d'exploitation qui sont terribles, qui sont vraiment terrifiantes. Mais c'est pas par sympathie particulière pour les poules que ça me semble important.